لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، شاخ زلاف، بيان سو ماشين، مون بروف اديسونس. Dans cette troisième partie de notre leçon، أنجل فورمي بار دو باراليل اون أنجل، on va corriger les exercices de la page 176. Voici la page 176. La page 176 contient des exercices d'investissement, c'est-à-dire des exercices d'application de ce qu'on a vu dans la leçon. Donc j'espère comme d'habitude que vous allez faire un effort, un grand effort plutôt, avant de voir la solution. إذن قبل مشاهدة حل هذه التمارين أتمنى أن تقوموا بمجهود شخصي وبعدها يمكنكم مشاهدة الحل alors bon courage et on continuera après donc voici l'exercice 1 page 176 dans la figure suivante يعني في, uh, في شكل Euh, est-il, il y est AB parallèle à CD donc ici c'est B donc il y a AB ouais il y a CD, donc ici on a B n'est pas I, hein, calculez BOA, il y a, B, o, a. regardez BOA, elle dit il y a l'angle BOA ADC, regardez ADC donc euh, vous allez constater que l'angle ADC, il y a ADC, c'est

euh, c'est de là qu'il manque deux angles opposés. Hein, juge. Et c'est de là, regardez, hein, ces deux angles sont deux angles correspondants de mes mesures. Bien sûr, à condition que ces deux droites soient parallèles. Donc, euh, c'est ça ce qu'on va utiliser ici pour calculer, bien sûr, ADC. Donc, on va, dire, donc on va commencer par ADC. On va dire ADC. Euh, ADC, voilà, Égal à quoi? B. Entre parenthèses, deux angles altern altern interne Voilà. Donc, il des angles altern angles Bien sûr, parce que a de la condition AB, il est pareil à CD. Donc, a dit qu'on de mes mesure. D'où ADC égale à quoi Parce qu'on a, euh, a, a... Voilà, on a DABC 52, donc on peut dire 52 degrés. Donc, ici, on a combien 52 degrés Qu'est-ce qui reste BOA. Pour calculer BOA, je peux déterminer, je vais déterminer DOC dans le triangle DOC. et je vais, euh, je vais euh, conclure BOA parce que BOA et DOC sont deux angles opposés par le sommet. Donc on va dire maintenant, calculons. Donc calculons maintenant B. DOC, c'est ça euh, BOA, pardon. BOA. Pour calculer BOA, qu'est-ce qu'on va faire On va d'abord calculer DOC. Donc on va dire, dans... Film outlet, hein, dans le triangle. Je vais utiliser le fait que la somme des angles d'un triangle, c'est 180. Donc, euh, dans le triangle DOC, On a, on a, DOC égal, DOC égal à cent quatre vingts moins CDO bien ODC CDO CDO plus DCO. On vient de, on vient de calculer. CDO, c 52. Raya, right? ADC. Donc, euh, égale à 180 moins. Qu'est-ce qu'on a dit CDO, c 52. Plus DCO, 48. Égale à 180 moins 50. Et 180A. Ah, moins 100, par, pardon, pardon. Égale à 80 degrés. Donc, DOC égale à 80. Donc, euh, maintenant, on va conclure BOA. On va dire, on a ici, pourquoi on écrit ça Parce que l'ensemble des angles triangle c'est 180. On a BOA égale à DOC. Pourquoi Parce que deux angles, deux angles. Opposé par le sommet. Pour l'arbi, il y a un goulot, il y a B O A. Donc, BOA. BOA. Donc, on a déjà déhaussé. Donc, BOA égale à 80 degrés. Tout simplement. On passe au suivant. Dans la figure ci-dessous, on a MN. Regardez, MN est parallèle à HG. Voilà les, les mesures des angles ici. Euh, calculer EFH. Regardez, EFH, j'ai dit. Et EGF. EGF. Ou ouais, l'angle, j'ai Donc, on va calculer ces deux angles-là. Donc, euh, comment on va procéder Regardez. Donc, pour calculer EFH, je vais d'abord calculer EFG. Donc, regardez. EFG égale à MEH. MEF. Pourquoi Parce que ce sont deux angles. Donc, dit, ce sont deux angles. Un, hein? alternes, internes de mes mesures. Donc, euh, je peux dire. Donc, euh, je vais d'abord, si je, de, je, je détermine EFG, je vais conclure EFH, EFH. Donc, on va dire, on a, bien sûr, on a MN, voilà, MN parallèle à HG. Donc, euh, Mouki Gangs, bah, à l'hypothèse, on a MN parallèle à HG. Ça, c'est une séquence, donc... On M E F donc admettons vous venez calculons E F H y a Calculons. E F H on est en train de calculer E F H mais d'abord on va d'abord déterminer E F G donc regardez donc E F G égal à M E, -A, M -E F égal à M E F pourquoi deux angles alternes internes voilà Vous voyez? donc donc EFG, ça va être 53 53 degrés Qu'est-ce qu'on va dire on a regardez, EFH. Maintenant, on va calculer EFH. EFH égale à 180 moins EFG. Pourquoi? Parce que EFG et EFA sont deux angles supplémentaires. Donc, euh, angle supplémentaire. Je peux dire deux angles. S, angle. Supplémentaire. Deux angles supplémentaires. Leur somme, c'est 180. Donc, EFH égale à 180 moins quoi? EFG, c'est 53. EFH 180 moins 53 degrés. Donc 180, regardez, 180 moins 53. Égale à 127. Égale à 127 degrés. Tout simplement. On passe à EGF. EGF, regardez. On va utiliser le triangle. Le triangle quoi EFG. Calculons maintenant. EGF, calculons. Calculons EGF. Dans le triangle EFG, on a... Qu'est-ce qu'on a EGF. La somme des angles d'un triangle. C'est 180. Donc EGF moins. Moins FEG plus EFG. N'oublions pas qu'on a déjà calculé EFG. EFG, il y a 10, 53 Donc 180 moins FEG. On vient de calculer. Ah, on a FEG, c'est 47. Plus EFG, on l'a déjà calculé, 53. Égale à 180, pardon, 180 moins, donc 47 plus 53, ça fait 100. Égal à 80 degrés. EGF. Tout simplement. On passe au suivant. L'exercice 3. Les droites EF, regardez, EF et MN sont parallèles. Calculez la mesure d'angle MAN. Donc, euh, je signale ici qu'en Shirby and Aura, on peut répondre sans. Donc, Ramouk Kinjabou, Blaman Stem, le parallèle. Et on peut utiliser aussi le fait que MN et EF sont parallèles. Yanya Blemensem l'a dit, sans euh, utiliser Had de F parallèle, pourquoi? Regardez, m voilà m C'est quoi M-A-N? C'est F-E, euh, C-F-A-E. Voilà, l'angle M-A-N, C-F-A-E. Ça y est. Et ici, on va calculer à de l'angle, l'IA-E-F-A. E on doit avoir 50. Pourquoi? Parce qu'on a ici deux angles supplémentaires adjacent et supplémentaire. donc et on va conclure MAN on va déduire MAN si vous voulez et on peut aussi utiliser le fait que parallèle qu'est-ce qu'on va dire on va dire 50 50 parce que deux angles correspondants un angle deux angles correspondants E F E N M N N E M, M, N, M, A, deux angles correspondants. Et on va utiliser le triangle. Mais c'est pas la peine. Mais je suis mon là. Donc, je peux euh, ne pas utiliser un de les deux. Je crois que c'est la, 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 la méthode la plus simple. Donc, on va dire. Euh, on a. On va dire. On a. E, F, A. Regardez. E, F, A. Égal à 180 moins donc je peux ajouter le point h par exemple hf h fm h fm pourquoi je peux dire 180 moins 130 égal à 50 degrés Mais ici, je peux signaler de Naamoukin deux angles. Ce sont deux angles. EFA égale à 180 moins 103 moins, moins HFM. Deux angles supplémentaires. C'est ça? Donc maintenant, on a, on a calculé EFA. Ou bien AFE. C'est pareil. EFA ou bien AFE. Voilà. Maintenant, on va dire dans le triangle. Quel triangle E-A-F. C'est pareil. Dans le triangle E-A-F, par exemple, le, le triangle, on a. On a e a, f C'est 180 moins... Moins quoi Moins e f a. Plus...

Égal, 180 moins 125, 180, pardon, voilà, moins 125 égale à 55, égale à 55. C'est quoi C'est E, A, F. Donc E, A, F égale à 55. Donc euh, d'où pourquoi d'où e a f égale à m a n voilà m a n il y a e -A f c'est pareil d'où m pardon m a n égale à 55 degrés et oui? on passe au suivant euh, l'exercice 4. Dans l'exercice 4, qu'est-ce qu'on a Donc, euh, on a, on considère la figure suivante. On montre que les droites sont parallèles. PC 2 On sait que, qu'il y il a deux droites comme ça et une séquence. Si on a deux angles, regardez. Si on a, si ces deux droites, ils forment ou bien ils déterminent avec une séquence, deux angles hein, correspondants de mêmes mesures, alors ils sont parallèles. Ou bien deux angles alternes internes de mêmes mesures, alors ils sont parallèles. Namu de la seconde comme ça. Deux angles alternes internes qui coulent la même mesure Ou bien deux angles, je répète, deux angles correspondants de mêmes mesures, alors qu'ils sont parallèles. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, je vais calculer à de l'angle, s de l'angle, et on va trouver que c'est 57, et on va dire qu'on a regardé qu quelque chose comme ça, On on A de droite, et une 50 liée à E, et on aura deux angles correspondants de mes mesures. Donc on va dire que ces deux droites ne sont pas parallèles. Donc regardez l'exercice 4, donc c'est ça ce qu'on va dire, dans le triangle, radingoule dans le triangle, flemoutillette dans le triangle. Dans le triangle, dans le triangle, dans le triangle c'est très important et de la propriété, la somme des angles d'un triangle est égale à 180. Dans le triangle ABC, qu'est-ce qu'on a? On, a on a ACB, l'angle ACB, 180 moins, moins BAC, plus ABC. égal à 180 moins c'est quoi BAC c'est 48 c'est quoi ABC c'est 75 degré bien sûr hein 180 moins 48 plus 75 donc 48 plus 75 est égal à 123 123 donc euh, 180 moins 123 moins 180 égale à 57. Donc on aura ici 57 degrés ACB. Donc euh, qu'est-ce qu'on a Donc on a ACB est égal à AED. Hein? Deux angles together, deux angles, donc ils ont la même mesure. Deux angles correspondants. Alors, on peut déduire. Alors quoi Alors BC doit être parallèle à ED, ou bien à parallèle à DE, tout simplement. On passe au suivant. L'exercice 5. Dans la figure ci-dessous, dans les droites T et delta sont parallèles. Montrez que par deux méthodes, que le triangle ABC est un triangle rectangle. ABC. Donc, Vous allez constater que il est un triangle rectangle en A. Donc, on va montrer ça. Donc, la première méthode, je vais utiliser un euh, la Si on a deux droites parallèles, donc, met me doute, d et delta. Donc, si euh, une droite est perpendiculaire à, par exemple, à delta, donc, dit et Donc, c'est la première méthode. Je vais montrer que à la droite AC, il est perpendiculaire à delta. Alors, il doit être perpendiculaire à D. Il n'y a qu'un perpendiculaire à delta, perpendiculaire à D. Alors, donc, on a un A. Donc, on aura euh, un triangle. Bien sûr, un triangle ré rectangle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Je vais montrer que AC, il est perpendiculaire à delta. S'il est perpendiculaire à a, delta, il doit être perpendiculaire à D parce que les deux droites D et delta sont parallèles. Donc, radine la méthode 1. Méthode tariqa lula donc méthode 1 donc euh, la méthode numéro 1 on va dire, regardez on va dire B, C, A, D, Z, point A pour euh, utiliser les angles donc A, D, A, E F, ou F, ou H ça y est donc regardez, vous allez constater que l'angle B, C, E, F, C, H sont deux angles deux angles opposés par le sommet. Donc, on a, on a BCE, BCE, l'angle BCE, égal à FCH, égal à FCH, égal à 48, égal à 48. Pourquoi je peux écrire deux angles opposés Par le sommet. Kangolo, Par le sommet. Voilà. Donc on a ça. Donc regardez. Donc, on a ACE. ACE C, -E, a -C -E égale. Ou bien je peux écrire donc l'ardoya ACE égale à ACB. Ce sont deux angles adjacents. ACB et BCE. Donc, plus BCE. BCE. Égal. C'est quoi ACB C'est 42. Plus 48. Ah ACB, c'est 42. Ah Excusez-moi. Ici, euh, c'est... Qu'est-ce qu'on a dit Ici, 42... Ici 48 degrés bien sûr donc on aura 90 degrés donc donc AC est perpendiculaire à delta et puisque Delta est parallèle à D. delta Donc, donc quoi Donc, AC est perpendiculaire à D. Il est perpendiculaire à D. Donc, AC, parce que B c'est un point de D. Donc, AC, donc AC est perpendiculaire à AB. D'où. Le résultat d'où ABC, triangle, rectangle, en A bien sûr. La deuxième méthode, donc là, on dit la deuxième méthode, qu'est-ce qu'on va faire On va calculer euh, l'angle ABC. Donc on a S ABC. Et on va trouver 48. Vous voyez, euh, vous avez FCH et ABC. Ce sont deux angles correspondants de mes mesures. On va être cool, a ABC et ACB, deux angles complémentaires dans un triangle. Si on a deux angles complémentaires, alors c'est le triangle rectangle. Ça y est, c'est tout. Donc on va dire ABC. Ou bien, on a D. Il est parallèle à delta. Donc, les deux angles, regardez. Donc, ABC égale à FCH égale à 48. Pourquoi Deux angles correspondants... correspondants... De mes mesures. Maintenant, on a dans le triangle, dans le triangle ABC, qu'est-ce qu'on a On a ABC, l'angle ABC, plus l'angle ACB. Égal à quoi Égal à. 48 48 plus 42 égale à 42 euh, 92 donc un triangle qui a deux angles euh, complémentaires c'est un triangle d'où abc ça c'est un résultat de première année de premier semestre qu'on a vu dans le, 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 le triangle particulier. ABC. D'où ABC est un triangle rectangle. Bien sûr, en A. Tout simplement. On passe au suivant. L'exercice 6. Regardez, on considère la figure suivante. Voilà la figure. Calculer la mesure de l'angle. Des angles euh, FEH et EHG. Voilà FE. Euh, donc voilà EFH, pardon. EFH et FHG. Donc, un des deux angles, je vais calculer leur mesure. On va commencer par EFH, EFH. Donc, je peux dire dans le triangle, je vais utiliser. Donc, dans le triangle. E On a. Qu'est-ce qu'on a? On a E F H. C'est Zawiya. E oui, F C'est E F H. Oui, e H Égal à 180 moins moins F e H, F plus E H F, Plus E H F. Égal à 180 moins FEH, regardez, FEH 110 plus 40 égale à 180 moins 150. 180 moins 150, ça va donner 30 degrés. EFH. De la même façon, on va dire EHG dans le triangle. Regardez, dans le triangle EHG, qu'est-ce qu'on a On a l'angle EHG, ça va être égal à 180 moins moins quoi? HFG HFG plus FGH plus F gh égal à 180 moins hfg 100 plus fgh' 50 donc donc EHG -E -E c'est pas EHG fhg f -H -G. f donc fhg égal à 180 moins 150 égale à 30 degrés. F Hg. Donc, euh, qu'est-ce qu'on va dire de, ouais, de la, la, la question 2 On va dire d'après la première question, la question 1, on a FHG, il est égal à EFH. D'après A, on a EFH égal à quoi? FHG, c'est ça. Donc, donc, on a, et quoi encore? Ils sont égaux et ils sont euh, alternes internes et EFH F H ou bien puisque et puisque E F H c'est-à-dire on a deux angles alternes internes de même qui sont de même mesure deux angles Alterne, alterne interne si vous avez deux droites comme ça et qui forment ou bien qui déterminent regardez deux angles alterne interne demi-mesure avec la seconde qui est deux, deux angles alterne au main dos mais à la quatrième alors ils sont parallèles et alors on va déduire que EF, alors EF, est parallèle à HG. Tout simplement. On passe au suivant. L'exercice 7. Regardez, on a deux droites parallèles, BC et DF. Hein? Donc on a BC et parallèle à DF. Qu'est-ce qu'on veut calculer On veut calculer FEG. FEG. Qu'est-ce que je vais montrer Qu'est-ce que je vais faire Je vais regarder. Donc, je vais nommer mon kintsumi ed l'angle. Le, le point, mais H, parce qu'on aura HAB égale à AED. Donc, H2 ce sont deux angles correspondants de mes mesures. Et on a AED égale à FEG. Ce sont deux angles, correspond euh, deux angles opposés par le sommet, tout simplement. Donc c'est ça ce qu'on va écrire. Donc on va dire euh, on a H A -B, Bien sûr, à de la condition là. Il y a a dit une seconde. Donc H A -B, Donc on va dire H A B égale à AED. -E donc pourquoi égale à 134? 134. Degré. Pourquoi Deux angles. Moukinsumi a deux angles. Correspondant. Correspondant. Euh, on a aussi. On a AED. Elle a dit Moukinsumi a 1. Euh, le résultat 1. Elle dit 1. Et elle a dit 2. AE. On a AE, euh, regardez A -E D ou bien F -E c'est pareil et on a F E G ou là A E Dites A E D, Ready? A -E D F E -G. F -E c'est quoi ça deux angles à dos opposés il faut distinguer hein, opposé par le sommet donc, on va dire 2, 1 et 2. On déduit. Oui. Qu'est-ce qu'on va déduire Regardez, HAB égale à AED. AED égale à FEG. On déduit. Oui. FEG égale à HAB. Bien sûr, voilà. Égale à HAB égal à quoi égal à 134 degrés tout simplement on passe au suivant l'exercice 8 ici regardez on a un triangle un trapèze rectangle donc euh, parce que ici donc on a AD perpendiculaire à, à ces deux droites là à, à la petite base et la grande base on va dire que c'est la hauteur donc, on a, donc regardez, on, on a, je vais montrer que AB parallèle la DC. Donc, on va dire AD perpendiculaire à AB. AD est perpendiculaire à DC. Donc, d'après ceci de là, donc on déduit. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Donc, euh, AB doit être parallèle la Donc, euh, si deux droites sont perpendiculaires à la même droite, ils sont parallèles. Donc AB doit être parallèle à quoi ADC. Voilà. Vous voyez Maintenant, regardez ce que je vais faire. Je vais prolonger cet angle, ce Heda. Donc, je vais prolonger Adinzy comme ça. Voilà. Donc, on a ici ABDC sont parallèles. Yeah. Donc, regardez, je vais nommer ce je vais nommer un point soit le point E euh, par exemple voilà on a EBC regardez on a EBC ou la CBE c'est pareil E CBE CBE égale à BCD. Pourquoi Deux angles alternes internes. Deux angles alternes internes. Donc, ils sont de même mesures. Deux angles alternes internes. Donc, regardez. On a aussi, donc, égal. Donc, CBE ça va être égal à quoi et ça va être égal à so, so, 53 donc une 53. Regardez maintenant donc euh, on a ABC ah euh, a dit ABC égale. on a ABC égal à quoi donc je peux écrire à K, horizontal alterne deux angles. Je m'excuse si j'écris mal. Et uh, uh, angle al. Terne interne. On a ABC égal à 180 moins, regardez, CBE. Pourquoi Ce sont deux angles. Deux angles supplémentaires. Deux angles supplémentaires. Ah oui. Ben. Donc, ABC, c'est 180 moins. Donc, c'est BC, c'est 53. Donc, on peut dire ici, d'où ABC donc 180 moins 53, 180 moins 53, égale à 127, égale à 127 degrés. Tout simplement. On passe au suivant. Le dernier exercice, Donc qu'est-ce que je vais faire Je vais, quand, je vais euh, prolonger à de la droite, donc la droite AB. Il doit couper, donc, DC, regardez, décès en un point que je vais nommer O. On va le point O. Vous savez Donc, on O, le point d'intersection des droites. L'intersection. OBC, regardez, on veut calculer OBC. OBC, oui, yeah, de l'angle. Donc, n'oublions pas que cet angle-là, donc, pour calculer à l'angle, je vais calculer d'abord à l'angle. Là, euh, dit D, A, O. Pourquoi Parce que ce sont deux angles correspondants de mes mesures. Voilà qui Pour calculer O, P, -C, je vais d'abord calculer euh, euh, O, A, -D. Voilà. Donc, je vais dire, on a, regardez, on a O, A, -D. D'ailleurs, je vais euh, d'abord montrer que à droite. Donc, on aura besoin de, à de la droite à de la parallèle. ras pour dire que ce sont deux, deux angles correspondants de mes mesures. Donc, on va dire, on a euh, d'abord, regardez, on a OAD, on a OAD. Elle n'a rien à voir euh, a un parallèle. Donc elle OAD égale à 180 moins BAD. Pourquoi? Ce sont deux angles. Ce sont deux angles supplémentaires. Deux angles. Supplémentaires. C'est-à-dire leur somme. C'est 180. Donc, euh, égal à 180 moins BAD. BAD c'est 130. Égale à 50. c'est 50 degrés. O Donc voilà. Donc maintenant, regardez bien ce que je vais faire. Je vais d'abord montrer que AD de droite sont pas Pourquoi? On va dire AD, on a. On a AD perpendiculaire... à DC. On a BC... a dit d'après la figure... a dit... observez la... donc on peut déduire... que AD alors... le résultat c'est quoi c'est que AD... est parallèle à BC. Donc... puisqu'ils sont parallèles... donc... Donc, excusez-moi, on dit la Donc, l'angle, regardez. Donc, l'angle OAD, donc l'angle OAD doit être égal à ABC. ABC. Pourquoi Deux angles, c'est deux angles, qui sont comment Correspondants. Correspondants. Et ils doivent être de même mesure. D'où... ABC égal à quoi Donc euh, égal ABC égal à combien à 30 degrés. 30 degrés parce que il est égal à OAT. tout simplement. Et à la prochaine. We do.